Aventure Zone épisode 18, hein, non? Déjà rendu, oui. Aujourd'hui, je n'étais pas supposé venir, mais il a arrêté mouillé juste à temps. Fait que me voici rendu. À l'épisode 18 déjà. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Là, surprenez-vous pas si les affaires sont mouillées. Il y a mouillé pas mal aujourd'hui. Genre le matin, puis le midi, puis en fin de soir, ben, fin d'après-midi. T'es là de venir quand même. Bon. Des vieilles chaises. C'est quoi ça? Il y a une caisse audio. Il faut longtemps pas trouver des caisses audio. Cassette de. C'est quoi ça? C'est de quoi ça? Une soirée de meurtre. Eh ben. Drôle de patente. Une clé. Bon, du bearing. Puis des clés. Des disquettes. Bon. Bon, on va commencer par là-bas, là. On va commencer par là, puis après ça, on s'en aille par là-bas, là. Il y a beaucoup de choses, je dis. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une mouette encore. Encore une mouette. On va pas te coincer, t'es là, là. Ouais. Pas de spécialité, non? Ça, ce sera pas pire. J'aurai une affaire d'un chinois pour mettre mes castes audio. Mais c'est pas possible d'avoir ça. Non, mais là, il y a beaucoup de choses. Puis c'est mou, puis c'est dangereux. Il y a plein de planches partout. Mmh. Ah non, mon lacet s'est détaché. Attendez un peu. Détacher mon lacet est détaché. Il s'est détaché mon lacet. Pas là grand chose d'intéressant. Un fil. Fil de quoi ça? On dirait une affaire de microphone, ça. C'est un microphone. Mais un microphone qui a été complètement endommagé. Il a garé son microphone. Puis il était plus capable de chanter. Il dit, ah, quand il va monter. Pas capable de chanter, parle. Tiens, mon Dieu. Bang. Brise le microphone. Tu vois? Pète le microphone en morceaux. Le microphone, il n'a rien demandé, lui, là. Ouais. Un toaster numérique. Un toaster. Des tôles. Voyons, ça va pas ici, ça. Ça va dans du métal. Ben, des tôles, tu sais. Oui, tu sais. Je veux dire. C'est quoi, ça? Une boîte qui remplie du n'importe quoi. On dit c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas grand temps à perdre. Parce que là, le temps file vite. Mais vite en tout cas. Et là, il faut que je me dépêche. Mais tout en faisant attention, moi. C'est quoi ce truc là? Des sacs qui contiennent des sacs. Bon. Tiens, il y a une affaire de lumière solaire. Mais la lumière solaire n'est pas là. Ah ben, il y en a un autre. Regardez ça. Il y en a un autre. L'autre là. Ah ben. Eh ben. Ah oui, c'est juste ça. Il y en a un autre là. Regardez. Il y en a d'autres. Mais voyons donc. Ben bon sang. Hey, c'est rempli. Wow. Ah, mais c'est là nouveau ça. Ah, ça, je l'ai ramassé, ça, c'est certain. Ça, je l'ai ramassé. Je vais utiliser quelque chose avec ça. Les gels, j'ai besoin de ça. Ah, mais c'est fait en chaude, ça. Ah, mais les affaires sont toutes brisées. J'ai peut-être craché celle-là. Ah,
Oui. J'en ai une autre. Brisée. C'est fait en vitre, sur quoi? Ouais, c'est fait en vitre. Mais si je les lumières, celle-là, je vais ramasser. Ça peut être utile pour me faire fabriquer mes diodes. De mes lumières qui flashent durant le jour, là, tu sais. Flashant. Bon, comment tu en as là-dedans? Il y en a un ici. 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui veut dire qu'il y en a 1, 2, 3. Ah, ils sont toutes là. Ils sont toutes là, les morceaux. Mais je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais en tout cas. Ah, on a des sacs là, fait, je vais pas les ramasser. Ça sent bien, c'est des lumières solaires. Mais ils sont pas mal endommagés. Regardez les panneaux solaires dans quel état qu'ils sont. Ils sont fichus. Mais les lumières au DEL, ça va être de quoi? Quoi, il y en a 7? Prends des minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dis qu'il y en a. Il en manque un. Il en manque un. Ben, j'ai tout bloqué, il n'est pas là. Il était dans la boîte ici, le clou. Regardez, regardez. J'essaie de chercher le travers de ça. Là. Je m'étonnerais que je le trouverais. Ouais, ça m'étonnerait que je le trouverais, Eric. Ah, il est là, je l'ai. Le septième, il est coincé en plus. Il est coincé. Eh merde. Ok, je l'ai. Et voilà. Je viens de le trouver. Voilà. Tout est là. Les 7 sont là maintenant. Bon. Ah. Bon. On a dû le mettre dans un sac d'un dessus. Voilà. Ah, mais bon, ça. Il y en a des affaires ici. Eh ben, tu parles d'une affaire, tu sais. C'est ma première trouvaille des panneaux solaires. Des lampes solaires, tu devrais dire. Tu sais, une affaire pour des chiens, ça. Waouh. Pour mettre les petits chiens, ça. Ah, il est en bon état. Ah, je vais peut-être l'emmener chez nous, ça. Puis mettre un coussin pour me tirer dedans. En tout cas, on va le mettre là-bas. Tiens, voilà. Peut-être pour mes petits chiens. Mes petits chiens, même pas de tir, ça coûte cher, ces affaires-là. Ils dorment à terre en ce moment. Ben, ils dorment à terre. La façon de parler, là, tu sais, je veux dire. Ils dorment à terre, tu sais. Pas sur un coussin. Bon, une affaire d'éliminateur. Tout brisé. Eh oui. La batterie est enlevée, par exemple. Les affaires de chaud. Ça, c'est un patent de démarrage, ça. Bon, des morceaux de tête cassés. Bon, des lumières de Noël. Tout jamais dans une toile. Je peux pas rien faire, je suis coincé. Ça, oui. C'est une valise. Ah ben, je vais prendre ça. Ou une valise. Je sais pas ce que je vais l'envoyer. Ah oui! L'envoyer là-bas pour me plaît mieux. Maintenant, j'ai besoin d'une valise pour me cacher des affaires. Oh, je vais pouvoir. Oh, attention, c'est de la vitre, regardez. Oh là là! Ça, c'est dangereux. Et bon, c'est dommage des valises, c'est cool. Bon. Bon, moi, je vais déplacer les lumières, chaudes, là, salaires, là. En même temps que je me déplace. On va donner un heure parce que je peux pas passer par là. C'est trop dangereux. Ok. Vaut mieux revenir en mode sécurité. Et bon, ça. Des planches avec des clous. Non, non, non. C'est pas des planches avec des clous. C'est des morceaux de planches pour interlacer dans d'autres planches, là, tu sais. Plancher plus le temps, là, tu sais. Je veux dire par là, là. Bon. Bon, attendez. Parce que j'ai besoin des affaires. Des panneaux solaires. Des lumières, ben, je peux m'en. Ça, je peux les abandonner, mais ça, je vais les utiliser pour mes lumières aux choses. Il y a des batteries encore là-dedans.
1.2 volts, Mikan métal hybride, 9 volts. Ah, il fonctionne, il vient du salut. Personne ne l'a acheté. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Mais je ne peux pas les emmener, je vais faire aller. Ils sont beaux, ils sont en vitre. Ils ne sont pas cassés. Je vais les mettre dans deux sacs différents. J'ai d'autres sacs là-dedans. J'en ai fait un peu là-dedans. C'est fait. Et puis ça. J'ai d'autres sacs, c'est prêt. Attendez là. Ça va rester là. Je vais juste défaire ce nœud-là qui est en fait. Ok, ça qu'on va amener. C'est tellement de sacs, c'est une autre essence. Bon, ça. Il y en a-t-il des sacs, c'est quoi, non? Ça n'a aucun sens. Bon, je vais mettre ça dans le sac des tissus qui gazent. Ben, on va les ramasser et on va les cacher, ces autres-là. Parce que des fois, je cherche des sacs, mais je n'en trouve même pas. C'est normal, ça, des fois. Ben, ça ne rentre pas tout là-dedans, ça, c'est certain. Six. Puis sept. Et voilà. On va chercher un endroit où les mettre là. Voilà. J'ai emmené celui-là. Les sacs, ben, je vais venir chercher avec le machine de. Attends, t'as l'autre. Ça, je vais venir chercher dans toi, non. Je vais essayer de déplacer mes affaires plus en avant, non. Je vais venir chercher dans toi, ces affaires-là. Tiens, pour deux qu'il y a encore de l'eau dedans. Ça va bien, ça. Bon, je vais déplacer mes affaires en avant. Je vais mettre mon sac à dos dans mon chaudron, là. Parce que j'ai encore mon sac à dos dans le dos. Ben, première trouvaille, des lampes solaires. Des lumières solaires, hein. Mais les panneaux sont fichus. Je ne peux pas grand-chose avec ça, mais j'ai besoin des lumières Odell pour faire peut-être une autre lumière haute intensité. Vous comprenez juste ce que je veux dire? La patente de chien, je vais l'emmener chez nous, ça. J'ai besoin de ça pour mes petits chiens. Ça coûte cher, cette affaire-là. Bon, ben, tiens, on va mettre ça ici. Mettre mon sac à dos ici. Hop. Voilà, j'ai besoin de ce sac-là. Tiens. Merde, pas dans le bout. Là, je dis bon. Hop, désolé. Attends, on fait notre épisode en avant vers la fin, désolé. Donc là, me voici dans une autre chose. Section. Bon. Le sac que j'ai pitché. Non, encore des affaires solaires. Regardez ça. Ça, c'est une affaire solaire, mais il est cassé. Ouais, il est cassé, la patente solaire. Coudon, je tue la journée des panneaux solaires aujourd'hui ou quoi? Mon sac, là. Ah, là-bas. C'est quoi ça? J'en serai plus. Je veux rien savoir de ça. Ça, c'est une affaire solaire, ça. Exactement. Il est cassé. Mais je vois pas le machin qui va avec ça. Je regarde là, mais je le vois pas partout. Je vois juste le machin là. C'est quoi cette affaire-là? Ah, des morceaux de tibon. Ah, un morceau de speaker. À l'Aztec Lanciban. Ah, c'est des affaires de tir de pigeon, ça. Ben oui, des affaires de tir de pigeon, ça. Ça va même pas casser le moindrement. Eh ben, la plupart sont cassés. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ça, c'est des systèmes de speakers, ce coup-là. Oh, hein! Hein, des affaires pour les moustiques, ça! Ah oui! Encore!
Bon, encore des affaires solaires. Mais voyons donc. Il y en a tombé des affaires solaires aujourd'hui. Comment ça, tu casses celle-là? Ah, oui. Hein, celle-là, il est en double. Mais non, il casse le panneau solaire. Eh oui. Bon. Tu l'as tout endommagé. Il est cassé, celle-là. Mais le panneau de solaire, ça, je vais l'emmener. Encore une autre fois, c'est de la patente, celle-là. C'est cool. Bon, le panneau solaire, il est là. Il est tout décollé. Bon. Hey, c'est quoi, là? J'ai pas envie de recevoir des briques dans la face, moi, là. Bon. Les affaires de panneaux solaires. Ça, on va les mettre ici, ça. On va les mettre là, puis on va les amener tantôt, là. Casser, mais ça, c'est pour des affaires de moustiques, ça. Du coup. Bon, je vais déjà, c'est ma journée de lampe solaire. On dirait que ça ressemble à l'autre, mais celui-là est en plastique. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est pesant. On voit pourquoi c'est pesant, Eric. Il y a des paquets de choses de briques là-dessus. Des ciments, béton, tout ça là. Ouais, ils ont tout cassé. Eh ben. Eh bon, ça se passe cette affaire-là. Voilà. Wow. Eh ben. Pour ça que c'est passé cette affaire-là. Bon, on voulait le morceau de panneau solaire tout cassé. Oh, ça. Bon. Passons à autre chose. Ah, tantôt, j'étais là-bas, tantôt. Ok, hein. Pas besoin d'aller là. J'étais allé là-bas, tantôt. Bon. Oh. 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 Des décorations? Oh. Des décorations d'extérieur, ça. Mais c'est pas de Noël. Déjà, Eric. Ça arrive next time, Eric. Bon, je vais juste tasser l'affaire de là. Je suis en train de ramasser. Ça. Pas de solaire. Puis ça, seulement ça, parce que le patin est cassé. Ça, je vais les mettre là-bas, non. Deux affaires solaires. Ben, tu parles d'une situation, tu sais. Bon. Tiens. On va mettre ça là-dedans. Attendez un peu, là. Juste pas perdre rien là-dedans. C'est la petite patente, c'est facile à perdre, puis le panneau solaire. Tiens, voilà. Bon. Bon, une affaire de pour cacher du soleil, là. Comment on appelle ça, ces affaires-là? Comme un parapluie, mais c'est pour cacher du soleil. Un parasoleil, en fait. Un parasoleil. Quelque chose de genre, là. Vous voyez comme vous voulez, là, en tout cas. C'est pas trop grave, là. Encore! Encore du panneau solaire, ici. Il y en a un autre, ici. La même affaire que tantôt. Voyons donc. Il y en a un autre, ici. Bon, des lampes solaires toutes brisées. Eh bien. Voyons donc. On dirait que c'est ma journée aujourd'hui de trouver des lampes solaires. Il y en a plein. C'est vraiment ma journée. Ouais.
Il y en a une autre, cette. Hey, ça ressemble à ce que j'ai déjà eu. Vous vous rappelez de ça? La pièce qui peut faire fonctionner mes relais. Ah, il y en a une autre. Ben oui, il y en a. Oula, y a-tu un jardin qui a été détruit, c'est quoi? Il y en a une autre, cette. Ben oui. Ben oui, un jardin qui a été détruit. Il y a plein de morceaux de lampes solaires, c'est. Encore un autre. Mais oui. Bon sang. C'est vraiment du n'importe quoi. Voyons. Ah. Bon ça, il y a de la terre aussi en hauteur de ça. Ça va être difficile de dégager ça. Attendez un peu. J'essaie de dégager ça du mieux que je peux. Là. Bon ça, il est gros celui-là. Ben voyons donc, j'ai vu un gros de même. Aïe aïe, bien gros les jets à l'intérieur de ça. Fou. Ça alors, le panneau il est gros. Ben, le panneau il est cassé, mais on peut aller tirer quelque chose. Ah oui. Encore des affaires de moustiques, c'est bon. Heureusement, c'est juste la terre. Oh, ça que c'est ma journée aujourd'hui. Bravo Eric. Bravo. Une belle journée aujourd'hui. En perspective. Il y en a un autre là. Ah, ils sont bien cachés là. Chaline, c'est vraiment quoi? C'est une boîte complète ou quoi? On va essayer de déchirer la boîte. Une boîte pleine d'eau. En tout cas, j'ai trouvé une espèce de gros panneau solaire. On va en faire de quoi avec ça chez nous. Il y en a un autre là, caché. Il est complètement enterré. Ah, mais il est gros celui-là. Un panneau solaire avec un gros diode. Allez, tiens-toi. Caroline, voyons. Pourrais-tu me dire qu'il a bien jeté tout ça? Ça, c'est une lampe solaire ou quoi? Non. Non, ça a l'air juste des affaires de chandelier, ça. Ouais. Je regarde depuis tantôt, là. On a juste des affaires de chandelier, des... pour mettre des petites chandelles, là, tu sais. Ah ben, j'ai trouvé des affaires pour réparer des relais 5 volts. Ça peut aller là-dessus. Ah ben. Ouais, c'est ma journée de ramassage de panneaux solaires. Et en plus, le gros, celui-là, ça, j'ai jamais eu de modèle d'un, celui-là, là. Il est immense. Ah, mais ça devait coûter cher, ce modèle-là. Alors, heureusement, j'ai ramassé des sacs. Mais en tout cas. C'est quoi, ça, Dove? Bon, j'en vois pas d'autres, fait que je crois tout. Bon, au moins y a ça. Au moins y a ça. Encore d'autres lumières solaires. Non, mais c'est incroyable. Surtout ça, là, ça, j'en utilisais quelque chose pour charger des affaires. J'ai pas cassé, heureusement. Heureusement, c'est juste de la terre. Heureusement que c'est juste ça. Encore un autre lumière solaire dans là, non? Oh non, c'est une affaire de... Je sais pas trop quoi. Ce n'est pas une lumière solaire, Eric. Désolé. Oh, attention, regardez ça. T'es. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est des pics. Ça peut me faire ping. Aïe, aïe. Mon Dieu. Le chemin après. Tu vois? Hey, Eric, tu joues trop à Sonic, toi, là? Allez. Ping. Aïe, aïe. Je suis mort. Il monte des airs, puis il descend mort. Et de toute façon, sur. Après ça, c'est la musique de Game Over. Mange quoi ça? Ah, des boules de plastique. Des boules de nerf en plastique. C'est plate, c'est des boules de nerf en plastique. Ouais, c'est plate ça. Ça, c'est quoi ça? Encore d'autres boules de nerf en plastique, là.
Regarde là. Il n'est pas en plastique, celui-là est en vitre. Celui-là est en vitre. Bon, on va le mettre là, puis on va le ramasser tantôt. Il est en vitre, celui-là. Il y en a juste un seul. Tiens, c'est que je vais pouvoir mettre les trucs dans la salade. Bon, tiens. Ah oui, là-bas. Ah! Cagne de machine de clou. Cagne. Blanche. Attendez là. Bon. J'ai fait des aventures zoniques, laisse-moi dire que c'est. T'as envie de tuer dans ce moment. Hey, pendant les derniers temps, je n'ai même pas aimé trouver des panneaux solaires. Puis ni des affaires de jardin, mais je retrouve bien beaucoup aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Mmh. Quoi ça? Ah, une arme, ça va après ça. Pour les ceintures de bébé. Les petits. Pour mettre les bébés dedans, en tout cas. Là. Les sièges de tout, là. Tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Aujourd'hui, c'est vraiment ma journée de chance. Les gros panneaux solaires. On va le tuer, hein? On va le faire, attention. Ça, c'est du danger, c'est du morceau de vitre. De la vitre, c'est dangereux, ça. Je fais attention pour, en me déplaçant parce qu'il y a plein de trous un peu partout. Je fais juste attention, pas me faire mal. Des grosses planches. Merde, je... Ah, il y avait de l'eau là-dedans. Je me suis mouillé le pied. Non, pas grave. J'ai juste mouillé un petit peu. Je ne voudrais pas passer ma journée ici, là. Bon. Bon, mon lacet est détaché. Non, mais on se retrouve pour une troisième chose. Voilà, j'ai attaché mon lacet. J'ai attaché mon lacet maintenant. Ah, là, c'est vraiment compliqué. Là. Je sais vraiment pas si je devrais aller là. C'est bloqué. Regardez, il y a un gros divan. Mais je regarde, il n'y a pas là-bas grand-chose d'intéressant là-dedans. J'aurais mieux d'oublier ça. Ça, c'est des morceaux de bois qui cassent pour faire l'enterrement des choses. Hein. Oh. Oh, tu me dis, c'est quoi ça, ça? Ah, une affaire d'internet, ça. Des affaires de café de chat, même pas, on dirait même pas brisé. Aujourd'hui, c'est tout cheap les affaires, ça n'a aucun sens. Il y en a un autre là, un autre qui a fait ça dans l'eau. C'est tout fait pour être brisé facilement. Et je peux passer mon tour là-dedans, ok? Là, ça c'est un tuyau de résonance. Ça résonne? Mm-hmm. On va aller au-dessus voir ce qu'il y aurait d'intéressant. Encore des lignes de... pour des maisons, ça. Bon, un morceau de patin de frigidaire. Encore la patin qui fonctionne. Bon. Je vais l'avoir branché d'intéressant, c'est que là. Bon, mais on redescend. Bon, des pancartes. Des pancartes à vendre. La dompe est à vendre. Ouais, un cadran. Un cadran. Clock compagnie.
J'ai même pas de la briser, regardez. Il est juste mouillé. Mais je sais pas si celle-là fait tic-tac. S'il fait tic-tac, je le jette parce que moi, je ne m'intéresse pas des tic-tac. Moi. Ça fait tic-tac, mais ça fait bien du beau. Prends rien durant la nuit. Tu vas essayer de dormir. Une boîte de contrôleur. Ah, ça va être pour des alarmes, ça. Ouais, des alarmes, ça. Bon. On m'appelle la passe quand j'avais trouvé le stéréo enterré. Le radio char, le radio cassette char. Il était enterré. Mais heureusement que j'étais là pour le déterrer. Bon, une valise verte. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Je sais pas. Il devait avoir $1 million là-dedans. La personne l'a pris, mais il a acheté tout l'argent. Il a acheté tout l'argent. Il a tout acheté. Il a pris l'argent, mais il a acheté la valise. Bon, regardez-moi c'était. Regardez-moi c'était. Ça, c'est de la boîte, ouais, ça, à zéro. Ah ben, il est encore plein. C'est de la boîte à zéro, ça. Ouais, de la bière à zéro. Qu'est-ce que c'est? Pas d'alcool là-dedans, je crois bien. Je crois que c'est ça. Zéro. Bière savoureuse, zéro. Ben oui, c'est gars. Bien savoureux, zéro alcool. Voilà pourquoi ils l'ont jeté. Ils ne pouvaient pas se saouler la gueule. J'ai le mot plate, Eric. Tes jeux de mots sont vraiment plates. Pourquoi cette affaire-là? Tandis que vous autres, ça ressemble à ce que j'ai ramassé la semaine passée. Ben oui, regardez. Non, ben non, il y a quatre choses, regardez. Celui-là, il y a quatre choses. Oh, désolé. Vous ne voyez même pas, désolé, regardez. Ça, c'est à quatre fils, ça. Moi, c'est à trois fils, l'autre, que j'ai ramassé. Une drôle de prise. Je ne sais pas quoi ça, cette prise-là, en tout cas. Oh, une chose pour je ne sais pas trop quoi y mettre. Bon, non, de la vaissellerie même pas utilisée. Ben voyons donc. Hey, c'est de la vaissellerie même pas utilisée, ça. Ah, yeah, c'est fou. Il y a de la vaissellerie même pas utilisée. Ben non. Ensemble de vaisselle de 16 morceaux. Mais c'est même pas les bonnes couleurs qu'il y a là-dedans. Non, c'est même pas les bonnes couleurs, mais elles sont beaux quand même. Elles sont toutes dedans, quoi. Donc, regardez. Ah, il y a des ensembles de tasses. Waouh. Regardez ce qu'il y a. Ben oui. Non, ben voyons donc, il n'est même pas utilisé encore. C'est du n'importe quoi, ça. Faudrait que je cache ça. Tu auras besoin des ensembles de vaisselle. Ça, c'est un ensemble de vaisselle même pas utilisé. Mais c'est pas la bonne couleur, sont roses. Je vais les mettre ici, là, puis je vais les emmener à un endroit tantôt. Là, j'ai trouvé des cassettes 8 ans qui s'écoulent. D'accord, non. Encore? Mais voyons donc, deuxième! Voyons, c'est quoi l'idée, là? C'est le deuxième que je trouve, là. Il y a encore toute la vaisselle dedans. C'est la même affaire que l'autre. Deux ensembles de vaisselle. Même pas utilisé, le moindrement. Ouais. Deux boîtes de vaissellerie de 16 pièces. Waouh! Ça, c'est des bols tout cassés. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais ça, c'est des bols de tout cassés. Non, pas cassés, mais c'est des bols de cendre. En vrai, c'est ça la couleur. Ben oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est ça. Ils sont même pas cassés. Voyons donc. Il y a des gens qui jettent ça et ils ne pensent même pas aux pauvres. Ils n'ont même pas les moyens de s'en acheter. Bon, des bibelots de je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Bon. Ça, c'est le genevois, là.
Bon, il y a une cassette, cette con. Une cassette vidéo, tu vois que. Émission à enregistrer. Je me rappelle ce qu'il y a là-dedans. C'est un appareil vidéo, vous pouvez lire ça. On va les emmener, cette cassette-là. Peut-être qu'il y a des vieilles émissions des années 80. Bon, des CD. Bon. C'est quoi ça? Encore des CD de musique. Jeanette Renaud. Bon, les cassettes vidéo. Bon, un livre sur. Eh ben. Bon, il n'y a pas tant de croisé. Chouine. Il est croisé là-bas. Ah, ben tiens, la tasse est venue là-bas. Ça, là, c'est chouine. Il y a juste une cassette du tac. Un quart. En tout cas, tiens, on va le mettre là. Ouais, deux ensembles de vaisselle, j'en reviens pas. Waouh! Bon, une arme à feu à cette heure. Il y a deux mois, c'était une arme à feu. Elle est en plastique, là, c'est. Regarde un peu partout, je peux pas trouver des affaires intéressantes. Mais ça n'a pas de l'air. Mais ça, il fallait que je les déplace, ça. Bon, mais ça, on va l'amener là-bas, ça. Ça, c'est ça. Et c'est ça. Bon, je reviens ici tantôt pour venir voir ce qu'il y aurait autre. Non? Les ensembles de vaisselle, il va falloir que je les déplace, non? Je sais pas comment je vais faire. Mais ça, des cassettes vidéo, des fois, ils peuvent contenir des vieilles annonces des années 80 et 90. Si ça avait été enregistré depuis longtemps. Ah, les lumières, ça là, il fallait que je les ramasse tantôt. Mais beaucoup de choses, quand même. Je suis toujours curieux de savoir ce qu'il y a dans ce sac-là, des fois. Oh. Ouais. Une curiosité qui t'amène vraiment à des drôles de surprises. Ouais. Bon. Restez là pour regarder ça ensemble. J'espère que vous allez voir. Faut vous ouvrir ça. Ça a l'air pas mal intéressant. Il y a plein d'affaires là-dedans. Ouais. Il n'y a pas de meilleur. Chose. C'est là-dedans, ça. Oh. Un ensemble de colliers. Bon, un cendrier, une chouine. Bon, voilà une dizaine. Hey, je suis riche de dizaines. Tu vois? Comprenez-vous le jeu de mots? Des batteries. Ah ben tu sais, je cherchais des batteries pour voir si le cadran faisait tic-tac. On va regarder ça. C'est pas trop long. Je vais juste regarder ce que c'est vraiment d'intéressant. Tu sais, tu as un adaptateur, ça c'est DC 6 volts. Hey, c'est ça que j'ai besoin pour faire fonctionner la caméra chose. DC 6 volts 500 microampères. Fait que ça, c'est tic-tac. Pour l'emmener. Oh, ce qui est beau. Un jeu des sous. Ah, des batteries même pas utilisées. Bon, des affaires de chaudron, oui. Ah, des affaires de moustiques. C'est quoi ça? Bon, c'est rien, je vais rien sur le. Mais attends, ils ont acheté de l'argent. Des 8 5 cents. Des 8 cents. Bon, ça fait 20 cents en tout. Je trouve. Ça va bien, ça. Wow. Oups. Mais attends, ils ont donné des affaires, c'est plus. Bon, des détecteurs de CD. Des détecteurs de fumée, même pas utilisés. Ben non, c'est des fils, c'est qu'il y a là-dedans. Je crois que c'est ça. Pas sûr. J'en ai un peu, regardez. Ben non. C'est bel et bien les détecteurs de fumée qu'il y a là-dedans. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Pas
Bon, tu veux me dire à quoi ça, cette machine-là? Essaye-moi. Wow. Bizarre. Bizarre, je t'ai pas dangereux. Des affaires de trop trop quoi. Ah, ça alors, je fais longtemps ça. Des vieux un sou. Je fais longtemps ça, 1991. Des fils à tricoter. Ah, j'ai des fils là-dedans. Bah, tu sais, je voulais ramasser quelque chose. Ah, ça. Ça m'étonne-t-il pour chez nous, pour... Quand je vais vouloir arranger mes patrons, ben quoi ce soit, puis je sais, maintenant, brisé, là. Vous comprenez, là, j'ai hâte d'arranger des choses. Mais j'ai des fils aussi chez nous, c'est bon. C'est un petit fil là, quoi. Bon, on va regarder dans le sac de bord. On va regarder dans ce tas-là, je trouve d'autres affaires intéressantes. Bon, ils ont vrai apparemment, ça, c'est des sacs encore. Encore des paquets de sacs. Oh. On dirait qu'il y a des draps là-dedans, je suis pas sûr. Là. Oh, ça va bien la fin, c'est gros. Les amis, les frères, je vais essayer de faire la fête. Merci quand même. Je vais me coucher. Parce que moi, je cherche un couvre-lit à deux plaques parce que mon couvre-lit est déchiré. C'est quoi, c'est une nappe, ça? Oui. Ouais, ça va. C'est quoi, cette affaire, le bon? Voici les draps qu'il a gonflés. Eh oui. Bon, voici... un chien en plastique. Eh oui. Il y a des patins là-dedans. Eh oui. Ouais, ça va, bon, ça. Bon, c'est quoi, cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est pour savoir la pression des pneus, ça. Ah ouais, c'est pour savoir la pression des pneus, comment qu'il y a dedans. Ça, là. Bon, on va regarder autre chose. J'ai goûté du ketchup. On va encore les sacs, ici. Oh. Voyons. Allez. Bon, on va regarder ce que les autres. Rien d'intéressant. C'est pas mal assez intéressant, il y a rien de creuser là-dedans. Bon, des fers passés, des fers assis, tout ça, là. Celle-là, il me semble intéressant. On a un autre petit à ouvrir, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais on va regarder ça, là. Il va y avoir des affaires intéressantes là-dedans. Ouais, il y a pas mal de choses. C'est peut-être des affaires de maison, ça. Vous voyez là? Bon, je crois. Allez, ça. Des affaires de maison, ça. Bon, des affaires de tricotage. Oh, des tournées. Ah, ben. C'est pas une affaire, t'es. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Je vais mettre là, ça. Tournevis. J'en ai ça, moi, des fois. Encore des batteries, voyons là. Encore d'une batterie ici. On va les mettre là, les affaires là. J'ai mis les affaires n'importe où là. On met ça. Attendez là, je vais déplacer les affaires devant. Tout mélanger, on va les mettre là. J'ai même pas de j'ai mis ça n'importe quoi là. En tout cas, la patente, j'ai 18 là. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, j'ai ça là. Hein? Kit Kat pour mettre des scènes dedans. Oui, il y a une femme pour mettre des scènes dedans. Mais... comprenez-vous? Si tu aimes tant les Kit Kat, votre Kit Kat est juste là. Ah, j'ai fait pour des choses pour accrocher. Ah, des batteries. Batteries. Ah, des batteries rechargeables. Ça, c'est des batteries rechargeables, cyber space, cyber énergie. Mmh.
Ça peut être utile pour mes lumières solaires, mais mes lumières d'urgence. Pas pour rien, je remonte les batteries. Parce que les batteries, des fois, sont bonnes pour allumer des lumières. Oh, ça. Ouais, je vois ça. Hein? C'est dans le sac. Ah, les ensembles de tournis. C'est quoi ça? Quoi tu veux me dire quoi ça cette affaire-là? L'eau bénie. Bon, une carte. Quoi cette carte-là? Fujifilm XD Picture Card. XD Picture Card. Je n'ai aucune idée, c'est quoi? Oui, c'est là. Canon. Il y a rien là-dedans. Bon. Pourquoi je ramasse les batteries? Parce que des fois, elles sont bonnes pour... allumer mes lumières, bon, un gros coupazon, ça c'est pas pire, c'est quand je les ramasse, je les désinfecte. Ouais, j'ai bien beaucoup de batterie, mais en tout cas, plus qu'il t'en est, plus que c'est. On n'a pas d'aliments. J'ai un testeur de batterie chez nous, je vais pas les tester. Un petit tiroir. Ah, c'est pour... Pour mettre des choses dessus, non? Pour ça. Comme des tasses, je sais pas. Hein. Comment on pourrait appeler ça, là, Marco? Des allumettes toutes mouillées. C'est pas longtemps, ça. Pourrais-tu me dire quoi, cette machine-là, ça sert? True Air, Hamilton Beach. True Air. Je sais pas quoi ça. Encore une tournus. Bon, ok. On va trouver une spéciale là-dedans. Autant se dire. Non, mais je crois bien que j'ai tout vérifié ça. On va essayer de cesser. Ok, là-dedans, ça. Oh, les affaires de patron de nettoyage, mais on va regarder quand même. Oh, ça, là. Oh, désolé. Oui, ben, là-dedans. Juste dans cette boîte-là, j'ai mis les affaires. Fait que ça, j'ai déplacé. Bon, une ampoule d'Odel. Oh, paye, merde. Je suis tombé à terre. Une ampoule d'Odel. Il n'a pas été écrasé, mais il est tout blanchi. Bon, ça, on va envoyer ça là-bas. Les affaires sont là-bas. Ah, mais je commence à en avoir beaucoup de choses, le coulon. Faisons ça vite, Eric, là, parce que là, t'as pas beaucoup de temps, là. Ton timing, là, il vraiment il passe bien vite, coulon. Et bon, ça, c'est, je pensais que c'était bien léger cette affaire-là, mais non. C'est bien pesant. C'est de soulever, même pas grave. Je suis incapable de soulever. Bon, ça, c'est une affaire de jardin tout cassé. Bon. Une affaire de maison. Les maisons couchées pas dans le coin. Ouais. Qu'est-ce que je disais par hasard? Rien d'intéressant là-dedans. Quoi ça? Bizarre ça. Attendez un peu, je vais juste voir ce qu'on a en dessous de ça. Bizarre. C'est un drôle de miroir. C'est un drôle de miroir que c'est.
Oups, il y a Gérard. Ouais, bien bizarre, cette scène-là. Canada, j'ai remercié. Ça va, puis je trouve une autre scène, attends. C'est combien, ça? C'est quoi, ça? Bizarre, ça. Ah oh, oui, l'adaptateur, c'est vrai. Ah, oh, les aiguilles sont là. L'adaptateur, j'ai oublié ça. Ok, ça, j'ai renvoyé ça là-bas. L'adaptateur, je n'aurai besoin pour utiliser ça pour la caméra. Parce qu'il prend les adaptateurs à 6 volts seulement. Il va falloir que je déplace les lumières solaires, je les envoie là-bas. Ah, j'ai beaucoup de choses, je dis ça. Moi, moi, je voulais voir ce que ça avait là-dedans, ça. Il faut peut-être avoir de quoi te cacher qui m'a attiré mon attention. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Il y a encore un autre ensemble de vaisselle ici, regardez ça. Encore un autre. Allez, j'en ai bien beaucoup les minutes là. 23 d'ensemble de vaisselle, c'est quoi là? Coincé, ça, je peux regarder les décoincer. Au moins, vraiment. C'est quoi ça? Hey! Ben voyons donc! Hey, une Wii U! Un contrôleur de Wii U! Je n'ai déjà un même chez nous! Mais moi, il est brisé! Ah oui! Ben voyons donc! Je n'ai besoin d'un! Waouh! Ah, ben ça, parce que je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. On va creuser au travers de ça. Attendez là. Je vais me mettre ici, puis on va regarder ça. Attendez là. Tu parles d'une affaire, Eric? Une Wii U. Je crois qu'il y a une Wii U là-dedans. C'est pas ça, là? Ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Nintendo. Ah, regardez ça, c'est une affaire pour les Switch. Ça, c'est pour les Switch, ça. Les contrôleurs. Ah ben. Je sais pas quoi ça, là, moi je peux. Ah, il n'y a pas de Wii U là-dedans. Ah, dommage. Mais il y a un disque ici, je sais même pas si la chose est dedans. Mais oui, regardez ça, il est encore dedans. Ah, c'est Wii ça. C'est pas Wii U, c'est Wii. Mario Tennis Power. Ah ben ça précis, j'avais besoin d'une affaire de manette Wii U chez nous. Le mien est brisé. Ah, tu parles d'une situation, Eric? Ah, une affaire pour Wii U? Ah, le machin, je suis pas là de bouger ça de là. Je dois bien bouger ça de là, oui. Regardez ça, une petite pince. Imaginez qu'il est brisé. Ah, il est brisé, il est cassé. Ah, le morceau est cassé ici. Oh non. Oh non, il n'est pas cassé, regardez. Il fonctionne de même. Vas-y, il était cassé, mais non. C'est pour visser ça. En tout cas. Oh ben. Sacrifice, j'en reviens pas. J'ai besoin d'une manette de Wii U chez nous, puis parce que ma manette est brisée. C'est un problème dessus. Hey, j'ai même pas besoin d'un acheteur, j'en trouve un ici. Hey, tu parles d'une affaire, t'es? J'essaie de trouver la console, mais je crois que je ne le trouverai pas. Bon, il y a des fils ici. Ah, il y a un gros meuble ici, comment je peux pas dégager ça? Un gros meuble dessus! Voilà. Voilà. Ah ben j'ai tout bougé d'affaire.
Ah, ça va être pour la Wii U, ça, je crois bien. Ouais. Ah, ben, sacrifice, j'en reviens pas, j'ai mon voyage. Mais pas la console. Bon, pas grave. Ouais, je suis chanceux. Faut de la chance, ça en est. Bon, ben. On a les affaires de. Pour la Nintendo Switch. Puis une console. Une manette de Wii U Pro. Je vais pas de la briser. Je vais pas de la briser partout, mais en tout cas, il manque de quoi là-dedans. En tout cas, la batterie qui manque. Moi, je pensais, mais en tout cas, je vais rester à la maison. Ça, je vais l'emmener, c'est certain. Waouh! Wii U. Ma manette est brisée chez nous. Le côté pour contrôler la caméra, il fonctionne plus d'un bord. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais en tout cas. Ah, ben, sacré fait, j'en reviens pas. Une affaire pour les Switch. Eh ben. Hey, je vois pas de quoi. Ça peut voir la lumière. Eh merde. J'en ai même pas vu. Ça. Je vois si la lumière flash encore, mon Joe. Attendez, là. Hey, c'est pas pire aujourd'hui. Ah oui, regardez la lumière, on le voit. Flash bien fort. Oui, là-bas. Flash bien fort, la lumière. Merde, on n'a même pas vu, je crois. J'ai trouvé la patente de Wii U, mais on n'a rien vu le restant. Mais j'ai pas trouvé la console, mais j'ai trouvé un contrôleur. J'en avais besoin d'un chez nous parce que, tu sais, mon contrôleur était brisé. Ben, il fonctionnait plus d'un bord, comme je vous ai dit, là. La machine du. La patente ne fonctionnait pas très bien. Le côté caméra, pour contrôler la caméra, il fonctionnait plus. Ben, il fonctionnait juste un bord, mais l'autre, non. Il n'y a rien à faire. Elle dit que je viens dans mes avant-saisons que je trouve tout ce que je veux. Moi qui avais l'intention d'en acheter un, mais là, ça va juste bien, ça va juste bien. On fait des sites de trouver la console. Mais Eric, ça, tu peux l'oublier parce que je suis sûr qu'il n'est pas là. Je suis sûr certain qu'il n'est pas là. Ok. Ça, tu peux le dire. Ça, c'est sûr qu'il n'est peut-être pas là. Ah, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Je n'étais pas supposé venir aujourd'hui. Je n'étais pas supposé de venir aujourd'hui. Bon, coulons. Bon, au moyen, ça, j'ai trouvé un contrôleur de Wii U, c'est tout. Bon. Oh, oui, je l'ai essayé, le cadran, s'il faisait TikTok, c'est lui que j'ai trouvé, là. Tout s'est envoyé. Bon, on est marqué les tables. Et où est-ce rendu, celle-là? C'est tantôt. Ah. Elle était en dessous de ça? Non? Ah. C'est rendu. Voilà. Ah, il est là. Il devrait être là. Je vais essayer une petite cette affaire-là. Ah, des bulles vertes, des bulles jaunes. Je vois si le cadran il fait tic-tac. En question. Si je voulais vous savoir, s'il fait tic-tac, je l'abandonne ici de coulon. J'aime pas ça, mais des petits tas, petits tas, petits tas, durant la nuit, des tabarnaches. Faites ça, Nintendo Switch. C'est ça que j'avais trouvé tantôt, non? C'est pour qu'on mette les Joy-Con dessus. J'en reviens pas. Une Wii U. Même pas brisant, je dirais. J'ai hâte de laisser à la maison. Bon. Voyons voir ça, c'est fait. Des petits tas, c'est celui-là. Ah, il fait tic-tac. Ça fait tic-tac, mais j'aime pas ça, mais des tic-tac là. Fait que ça, on va essayer là-bas. Tiens, lui. Moi, il fait tic-tac là, j'aime pas ça, mais. J'aime ça, des cadrans silencieux. Ah, voilà, je pense à ramasser les lumières solaires là. C'est ça, là. Mais il me semblait que tu sais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait ici. Vous vous rappelez quand je vous disais? J'ai comme l'impression que quelque chose m'attire. Puis j'ai exactement raison. Quoi ça? Je sais pas de quoi. Des têtes de riz. Bon. Ah. C'est une affaire de quilles. Ben, c'est une fausse quille, là, c'est pour décoration.
Bon, des affaires de d'ordi. Ah, 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 mes aventures zones aujourd'hui sont vraiment perfectes. Je voulais chercher une affaire, puis je l'ai même acheté un. Pas besoin, j'en ai déjà trouvé un. Tout est là-dedans, ça. Des affaires de... Attends, bon, une niche de chien. Waouh! Bien beau, la niche. Même pas brisée. Bien isolée. On dirait des niches qu'ils ont fabriquées au Lac-Simon. Bien gros. Hey, regarde-moi ça, je suis fort! Vous voyez, je suis fort, moi. Je suis costaud. Regardez-moi ça. Facile de glisser une affaire dedans. Bon. Il y a plein de planches de bois. Je sais pas trop où, moi, je crois. Mm-hmm. Ouais, attention. Bon. À partir d'ici, je peux pas aller plus loin. À moins que je monte en haut. À moins que tu montes en haut, hein? Bonne chance. Tu risques plutôt de tomber. Puis de faire mal. Puis de te casser les morceaux. Puis de te détériorer après, hein, tu vois. Ah! Ouais! Je peux aussi rentrer en haut! Waouh! Je casse les affaires! Tu vois? Je nous arrête. Je suis mon tana! Ouais! Wouhou! Je suis content. Hey, moi qui avais l'intention de m'acheter une manette de Wii U, puis que j'en trouverai gratuitement ici. Ah. On va pouvoir commencer à jouer à Zelda Twilight Princess HD. J'adore ce jeu-là. Bon, voyons ce qu'il y a d'intéressant ici. C'est quoi ce truc? Ah. Ok, c'était pas dans le liste pour les balayeuses. Ouais. Ça fait des balayeuses, ça. Une grosse TV de là. Aujourd'hui, j'ai pas aimé trouver des ghetto blasters. Ou des stéréos, là, tu sais. Mais qu'est-ce que l'importe? T'as trouvé des, pas mal de belles affaires, c'est aujourd'hui, Eric. Bon, ça, je peux grimper au-dessus. Sans danger. Un ourson mort en dessous. Je l'ai enterré. Je l'ai pas que vous voyez ça, non. C'est vraiment dommage. Bon. Oh, ça m'affecte bien, gros, c'est de voir ça. Des oursons morts. J'aurais dû mettre une grosse boîte dessus. Une grosse boîte ici, de clou. Je pensais pas qu'il y avait un oursin ici, de clou. Attendez, je vais essayer d'y envoyer la boîte par-dessus. Attendez un peu, là. Tiens, voilà. Tiens. En posant un peu, mon cou. Bon. Je pensais pas de voir un oursin ici, de clou. Pourtant, tantôt, j'ai dit que je voulais pas venir ici, mais finalement, je suis venu. Ah, je vois, c'est la neige, il fonctionne encore. Eh bon, ça, comment je vais faire pour descendre? C'est dangereux. Wow! Ok. J'arrive à descendre. C'est bon. Ouais, exactement. Je vais juste descendre. Attention, là. Pauvre mon cou. Oh là là. Ces aventures zones, des fois on peut trouver des affaires horribles qui m'affectent littéralement. En plus, t'as un petit. Un petit. Bon, je vais aller chercher des. La patente des pour les chiens. Peut-être amener le chien, ça. Je vais prendre un petit chien, là, tu veux dire. Avec les sacs. Tiens.
Bon, je n'ai pas besoin de sacs pour mettre des affaires dedans. Attendez là. Attendez. Je vais mettre des sacs là-dedans. Pas les sacs. Je vais mettre des sacs de plastique. Il y en a plein. Des sacs de pierre, là, ils ne m'intéressent pas. Non, ok, c'est bon. Ok, voilà. Je vais remettre un petit papier de marque cookie là-dedans. Il n'est même pas sale. On pourra mettre un coussin dedans. Un coussin rond, je crois. Amener ça chez nous. Commencer à rassembler mes affaires. Mais mes affaires sont quasiment toutes rassemblées. Non, mais quand même, j'ai pas mal trouvé des affaires intéressantes, je dis. C'était vraiment la totale, je dis. Ah, la lumière flash encore en mode jour. On peut le voir. Ouais, on peut le voir encore. On va mettre mes affaires là-bas, puis on va revenir, là, pour filmer ça. Tiens, mes affaires sont là. Tiens. Le salon vient de se changer. Il y a des... Vous voyez? Il vient juste de changer. Bon, tant pis. Oh là là. Ça m'affecte littéralement de voir des petits oursons morts. En tout cas, c'est pas trop grave. C'est pas moi qui l'ai tué, il fait rien. Bon, je vais ramasser la lumière solaire. Puis mettre mes affaires en ordre. Vérifier ce que j'ai emmené. Puis qu'est-ce que je vais pas emmener. Parce que j'ai un gros sac. J'ai mon manteau. Mais la manette de Wii U, 100% je l'amène chez nous. Les cassettes vidéo, je vais les emmener. Je vais les mettre dans mon sac. C'est certain. J'en ai pas. Manette de Wii U. On avait besoin d'un. Ça va bien, ça. Tiens. Il n'a pas tant de Switch. J'en ai pas. Il y a quelqu'un qui a acheté ça. C'est nouveau, ça, pourtant. Tu peux mettre tes deux Switch là-dedans. Mais tu peux pas le charger là-dedans. Faut que tu le débranches et que tu le reconnectes avec le machin. Je vais le mettre dans ça quand même. Aussi. Bon. Ah, mais le chien va pouvoir bien dormir là-dedans. Il va peut-être tout rentrer là-dedans, mais le chien. Bon. Lumière solaire. Mais je crois que je vais cacher les affaires de base des lumières solaires. Ici, je vais s'emmener les lumières solaires en question. Bon, attendez, là, je vais juste prendre un sac. Pour mettre les autres lumières solaires que j'ai trouvées dedans. Qu'est-ce que ça sent bon, là, ça? Ah, mais quand même, aujourd'hui, c'est pas pire, mes trouvailles. C'est pas pire, hein, tu sais. Je vais dire que j'ai déjà vu mieux. Aïe, aïe, c'était parfait. Bon. Maintenant, c'est les lumières solaires, là. Ça va aider des choses. Hein. Bon, mais tiens, je vais couper celle-là et puis je vais les mettre dans un sac. Je vais mettre mon noir, c'est ma lumière que j'avais trouvée l'année passée, quelques années en arrière. Mes affaires sont là. J'ai toutes mes affaires, les panneaux solaires. Ces autres-là, je vais les cacher ici. Ça, je vais les emmener. Ça, c'est ma lumière qui va flasher en arrière de moi. Les sacs, ça, je vais les cacher ici, tu sais. Qui sont là. J'ai entendu du bruit tantôt. Ça va bien, là, cette lumière-là. Oui, on va de loin avec ça. Ah, ça, c'est le nez. On peut voir les lumières au DEL d'ici. Regardez ça. Attendez, là. Vous les voyez? On peut les voir d'ici.
Mais ben, moi, la patente de chien, je pense que je l'ai envoyé. Ah, il est là. Ça aussi, je vais l'emmener pour mes pitots. Je pourrais pas tout mettre ça dans le sac en ce moment. Je sais, je vais emmener ça. Ben, je vais le cacher ici, tant que ben, je peux pas le cacher ici, il va me pourrir sinon. Je vais absolument l'emmener pour mes chiens. Pour mes petits chiens. Pourquoi qu'on entend ce bruit-là, là? On entend du bruit. C'est vrai que le soir, c'est des ours qui viennent, là. Oh, mais moi, il fallait que je disparaisse, que je m'en aille. Oh, on dirait qu'il y en a un là-bas. Je crois que je viens de voir un œil là-bas briller. Au loin. Ouais, il y en a un là-bas, je peux le voir. Je viens de voir un œil briller. À cause de ma lumière, Odell. Ouais, il y en a un là-bas. Ouais. Il va falloir bien que je retourne là. Je vais retourner à la maison. Donc ça termine ici mes aventures. Fait que c'était l'épisode numéro 18. Fait que retour à la maison avec toutes les affaires que j'ai trouvées. Puis la manette de Wii U. Bye. J'étais arrivé à la maison. J'ai pris une bonne douche. Mais tiens, le panier en tout cas, en tout. Il est installé dans la chambre avec une couverture en dessous, au-dessus. Ça, c'est le jeu que j'ai trouvé à Don. Mais c'est même pas le bon disque. C'est Mario Power Tennis. Qu'est-ce que c'est? Le disque n'est pas graffiné, fait que. Dommage que c'est pas un jeu de Wii U. En tout cas, ça l'importe. Ces cassettes-là, que j'ai ramassées aussi à soir, c'est la plupart du temps des cassettes qui sont enregistrées avec une caméra comme j'avais trouvé l'autre fois. La caméra. Qui est serré dans mon armoire, ça ressemble à ça, je trouve. Je suis pas sûr, là, moi, je crois. Puis là, j'ai branché l'adapteur en question. Ça, vous voyez, il charge. Puis, je pèse sur un bouton. Ça fonctionne. Mais là, on va le débrancher, on va regarder. Oh! Je crois que la batterie est plus là. Ouais, on dirait que la batterie est plus là. Bon, en tout cas. J'ai toujours les miens. Il y a une batterie dedans, fait, je vais pas la transférer. Celle-là, le mien a un défaut. Un défaut là-dessus. Celle-là, ce bord-là, il ne vire plus. Ben, j'ai de la misère à le virer, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il vire bien normalement, mais ma caméra ne fonctionne plus avec ça. Donc là, je vais m'affairer à essayer d'ouvrir ça et essayer de transférer la batterie. Je crois qu'ils ont enlevé la batterie dedans, ça. Puis ils ont jeté le contrôle en vous, là, pourquoi. Bon, moi, j'en avais un autre. Puis je sais qu'il fonctionnait, fait qu'il est branché, mais la batterie n'est pas dedans. Fait que c'est ça. Bon, attendez là. Que je trouve les petits tournus que j'ai trouvés ce soir. Attends, ok, voilà, j'ai une tournus étoile, c'est cool. C'est celle-là. Non, ça, c'est mon chose, ça. Ok, ça, c'est mon chose. Okay, c'est beau. C'est bon, ça m'a une batterie gonflée, celle-là. Bon. Bon, celle-là, ça va être beau charger. Mais c'est sûr, il voulait essayer qu'il n'y ait pas de batterie, on dirait. Quoi? Ouais, il fonctionnait pas tantôt. Ah, moi, c'est celui-là, la batterie est fichue. Attendez un peu, je regarde là. C'est la tire. Attends, comment faire? Ah, ça c'est le mien, c'est fait défaut celui-là. Celui-là, la batterie est gonflée, mais merde. Comment ça, pourtant, tantôt, il ne fonctionnait pas. Mais la batterie est gonflée. La batterie est gonflée, regardez. Vous voyez la bosse? Je ne sais pas si c'est les cracks.
Donc celui-là, le mien n'est pas gonflé parce que ça fait longtemps que je l'utilise. C'est un ouais, il fonctionne bon. Attendez, je vais utiliser un petit tournage pour me pisser cette porte. Là, je suis en train de darder la vis. Ah bon ça. Pour un tour quoi. En fait, ça, je vais pas l'utiliser avec ma oui. Celui-là est moins difficile, ce bar-là. Celui-là, il est vraiment bizarre. Il fait défaut, on dirait. On dirait qu'il y a un défaut là-dessus. Parce que ce bar-là est correct. Et ce bar-là, il force. J'ai comme l'impression de forcer. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je peux même pas le démarcher, celui-là. Parce qu'il s'est tourné à trois côtés. Fait que, bon. Il y a un autre. C'est tout. La batterie se l'est gonflée. Fait que ça, il va falloir que je le fasse récupérer. Je vais remettre le poids là-dedans. Fait que celle-là, c'est ma manette ancienne. Celle-là, je l'ai désactivée, puis on va l'essayer tantôt avec ce genre-là. C'est une petite tournevis. Là, il y a une tournevis qui est tombée tantôt. Je sais pas ce qui est tombé, mais il faut que je le cherche. Ah, il est là. Petite tournevis plate. Tiens. Ça, on va l'essayer tantôt, voir si ça fonctionne. Puis ça, c'est pour les Joy-Con, cette affaire-là. Pour mettre les Joy-Con dedans. Attendez, je vais chercher ma. Mes Joy-Con de ma Switch. Regarde, mais c'est un jour remonté. Ça va. Là. De même. Celle-là, ici. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Fait que c'est pour ça. Oh non. Fait que ça. C'est pour les Joy-Con pour, mettons, faire un contrôleur. Fait que j'en ai besoin pour, mettons, pour jouer avec ma Switch, si je voudrais. Parce que ma Wii U, ma Switch Pro, celle-là, regardez. Il ne veut plus revenir au centre. Regardez, oui. Regardez. Oui, il ne veut plus revenir au centre. Fait que, ça me prend moins de complications. Mais ça, c'est pour avec la Switch en question. Je l'ai trouvé, hein? C'est pas pire quand même. C'est pour les Joy-Con, cette affaire-là. Pour supporter les Joy-Con, en tout cas. Donc, elle a fonctionné très bien. Si je l'ai. Well, hey! Je vais mettre le saut. Je vais pouvoir jouer à la Switch avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a un bail, il y avait de la misère à aller mal.
Il allait mal d'un bas, puis il tournait à un moment donné tout seul. En tout cas, c'est sûr, non. Là, je vais laisser ça là-dedans. Ok, c'est juste pour transposer les jets. Ça sert juste pour ça, pour envoyer la lumière des jets à côté. Qui est là. En tout cas, c'est pas grave. Faut pas que je me trompe, putain. Bon. Voilà. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que c'est pas payé mes trouvailles à soir. les lumières au DLC, ça j'ai trouvé ça même court. Je les ai toutes placées dans le sac ici, putain. Des lumières au DLC que j'ai démanchées. Tu sais, vous vous rappelez les panneaux carrés, là? Les affaires solaires carrées, mais j'ai été démanché, c'était. Il y avait des pièces électroniques comme ça. Mais les jets sont pas mes gros, mais je vais pas les utiliser à quelque chose. Je sais pas. Ceci, là. C'était à l'intérieur de ça, non? Puis il fonctionnait. Puis aussi, les batteries qu'il y avait là-dedans, la plupart du temps, c'était ces autres-là. Les Duracell. Ils sont bonnes encore, fait que, hein, je vais pas les utiliser pour. Mes lumières d'à côté. Quand il m'a manqué de courant, là, j'ai beaucoup de batteries. Batteries de comme j'ai dit, des batteries de secours. Maintenant, s'il manque de courant bien longtemps, je vais avoir de la lumière dans mes yeux quand il fait noir. Je vais sur l'eau. Je vais tout placer là-dedans. En attendant. Fait que maintenant, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Et continuez à vous souscrire à mon canal Eric Papatier Original Vidéo pour d'autres aventures ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'était excellent. Juste à cause du ça, ceci là, ça c'est pas pire. J'en avais besoin d'un. Je vous jure, mon autre est brisé. Ben, il se barlait, il voulait plus tourner de se barler à la caméra, puis il se barlait, il tournait, puis en haut, en bas, mais il se barlait, il veut plus. Il voulait plus avec mon ancien, mais là, il se fonctionne. Essayez la manette en question, parce que j'ai découvert quelque chose. Tu sais, il y a un problème. Parce que je vois ça là. Elle la fonctionne normalement. Je vais juste voir si ça fonctionne normalement. Parce que là, j'ai dit quoi que ça fonctionne pas partout. Il y a quelque chose qui est cassé en durant. Hop là. Voilà. Attendez un peu. Je pense que j'ai bougé les choses. Attendez là. Voilà, c'est pas trop long là. Je suis en train de synchroniser. Voilà. Bon, elle est arrêtée là. Bon. Ah, là, il fonctionne là. Ah, celui-là, il me semble que ça sert à rien, ce bouton-là, ici, à côté. Bon, là, il fonctionne bien, celui-là. Ça, c'est celui que j'ai trois hommes. Celui-là, il virait pas de ce bord-là. Ce que tu dis de ce côté-là. Donc là, je vais essayer ma manette. Je vais débrancher là. Attendez là. Je sais pas comment je vais faire. T'as le même. Là, je vais brancher là. Il faudrait que je remette le machin en place. C'est pas trop long. Je vais quand même l'essayer là. Voilà. Je vais vous montrer la preuve qui fonctionnait pas très bien. Une question. Il y a le machin là. Hop là. Il y a la batterie de chambre en place là. Bon voilà. Il y a des. Je le tasse là. Il veut juste virer ce bord là, descendre. Mais il veut pas virer de l'autre sens ou non. Il y a des. Vous voyez? Mais celle-là, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça sert à rien, celle-là. Le bouton ici, là. Mais ce bord-là, il ne veut pas rien savoir. Il veut juste virer de ce bord-là, puis monter, puis descendre. Mais l'autre part, il n'y a rien. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai. Mais celle-là, il fonctionne très bien. Fait qu'on va désynchroniser celle-là. Puis
Celle-là, on va la resynchroniser. Attendez là. Je resynchronise ça de même. Et voilà, fait que celle-là, elle devrait fonctionner normalement, comme je voudrais. De toute façon, j'ai avec la Wii. Rien que ça comme jeu pour l'instant. Bon. Là, il fonctionne bien, regardez. Bon, là, il fonctionne bien, puis l'autre bord aussi. Oui? C'est du côté droite, c'est qui fonctionnait pas très bien. Donc là, maintenant, j'en ai un autre. Là, je suis content d'en avoir un autre, là. Est-ce que cette petite mouche-là, là, dégage de là, puis... Une petite mouche. Mais je sais pas à quoi ça sert, ce bouton-là, mais je crois qu'il est brisé. On dirait qu'ils l'ont forcé à quelque chose. Ce bord-là, il fonctionne très bien. Bon, ça importe peu parce que ça sert à rien pour l'instant. Enfin! Enfin! Boum! Bing! Bang! Tiens, de moi, est-ce que... Vous allez voir, vous n'avez pas à vous sentir. On a un, on a deux, et on a trois. Bye bye! Iou! Hop là, il est arrêté. Bing! Bye bye! Iou! Parti! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ça, tout là. Fait que c'est ça. Fonctionne bien celle-là, il n'est même pas brisé. Ils l'ont jeté pour rien, mais je ne sais pas pourquoi. Là. Je sais pas pourquoi qu'il est d'abord il y a un problème. Okay, là je vais essayer le bouton le ZL, le ZR, je crois qu'il sert à rien. Oh non, il sert pour serrer les choses ça. Ouch. Ok, il fonctionne toute la gueule. Mais juste le côté A, je sais pas quoi que ça. Ok, 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 c'est pour les items, ça. Ok, il fonctionne. Le neutral, il fonctionne pas. Mais quoi que ça, le neutre, select. Il me semble que ça sert à rien, celui-là. Il fonctionne, la parole. Là, je sais pas à quoi qu'il servait le select. Je n'ai aucune idée à quoi ça servait. Bon, je vais regarder avec mon ancienne manette, coulon. Je sens qu'il servait à quelque chose, ou bien non. Regardez-le. Je vais synchroniser celle-là. Synchroniser celle-là à nouveau. Ah, déjà, ils ont remis ça. Ah, ça sert à rien. Mais ce bord-là, il fonctionne même pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Pourtant, il n'est pas brisé. Non, il y a quelque chose qui a lâché, on dirait là-dessus. Je sais pas pourquoi, là. Non, il y a un problème dessus. En tout cas. Mais celle-là, il sert à rien, c'est pour celui-là. Fait que je crois bien que c'est correct. Celui-là, on va le désynchroniser. Hein? Oups! Ah ben, ça va bien, ça. Bon, là, enfin, je pourrais contrôler la caméra normalement. Oups, celle-là est désynchronisée. Attendez un peu, là. Je resynchronise tout ça, là. Attendez, là. Je sais ce que je peux faire. Tant pis quand même, j'ai trouvé une bonne manette tout long, mais c'est juste le côté A qui m'intrigue, le patente d'Andrea est brisé au milieu. Parce qu'il ne voit pas ça, regardez.
Celle-là, on n'entend pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas, ça n'est pas utile dans ce jeu-là. Mais il fonctionne, tu sais, il n'a pas brisé. En tout cas, ça peut être utile pour mon jeu, en tout cas. Fait que c'est ça, je l'ai vous montré. Il fonctionne très bien. Bon. Voilà, là, ça, je vais le sortir. Voyons. C'est quoi, là? Ah, attendez. Voyons, bon sang, tu peins. Qu'est-ce qui se passe, là? Elle veut pas, quoi. Voyons. Attendez un peu. Je peux même pas choisir les choses. Putain, il fonctionnait bien, ça. En tout cas, aussi simple que ça. Fait qu'il fonctionne bien. Aussi simple que ça. Moi, je peux rien faire d'autre. Je vais juste en tourner. Fait qu'il fonctionne bien. Hein? Bon, mais salut.